Mon cher Patrick, je voudrais te poser une question. Oui. Avec les oreilles, qu'est-ce que tu fais? Avec les oreilles, j'écoute une idole, un ami, Claude François. Je flânais le long d'une plage quand je vis devant moi le vent porté par la marée, un beau coffret de bois. J'ai pris le coffre, il est ouvert, me croira qu'il le veut. Dedans il y avait un, juste devant mes yeux. Oui, dedans il y avait un, juste devant mes yeux. Heureux de cette découverte, je courus comme un fou chez un antiquaire, un voisin qui achetait de tout. À peine entré, il m'a crié, avant qu'on parle l'argent, sortez-moi d'ici ce, ou j'appelle un agent. Oh, sortez-moi d'ici ce, ou j'appelle un agent. Ne tenant pas pour ce coffret à faire de la prison, j'ai pensé l'offrir à ma femme qui était à la maison. Mais elle a hurlé comme une folle en voyant le contenu. Sors d'ici avec le, ne reviens jamais plus. Oui, sors d'ici avec le, et ne reviens jamais plus. Forcé de me débarrasser du coffret encombrant, je cherchais par toute la ville et trouvais un mendiant, me disant enfin celui-là je vais lui faire plaisir. Mais quand il a vu le, il s'est mis à courir. Oui, mais quand il a vu le, il s'est mis à courir. Esclave du coffret de longues années, j'ai souffert. Puis un jour, je suis arrivé avec devant Saint-Pierre. En me voyant savoir, tu trembles et le ciel de colère. Tu oses apporter des œufs, remporte-le sur la terre. Oh, tu oses apporter des œufs, remporte-le sur la terre. Et là, et que si vous voyez le vent porté par la marée, un très joli coffret, c'est peut-être un trésor, prenez-le, ouvrez-le, oui, mais si jamais vous y trouviez le, laissez-le où.